J'adore foutre le bordel, on adore la boîte qui se met échappée des mains. Alors, petit porridge à la fraise, je l'ai laissé reposer toute la nuit pour qu'il soit gonflé. Et un petit cappuccino. Hello, comment vous allez? Bah, écoute, moi ça va, ça va. J'étais en train de faire des vocales avec ma copine, tout ça. Il y a bien, je l'ai deux en match. Bien, gelé. J'ai vu qu'il y avait baissé moins 1, mais là, il y a bien gelé par rapport aux autres jours que je vous ai dit qu'il y a bien gelé. Là, il y a vraiment bien gelé. Bien gelé. Merde, je vous fais bouger. Alors, on va ouvrir Adopt. Alors, eau de parfum, au délice enchanté, Madame Lumineuse. Plus radieuse que jamais. Hop là. Oh, elle est jolie. Alors, Madame Lumineuse, j'aurais pas les notes de cœur et tout. Je l'ai pas vu dans ma liste. C'est chiant, ça, j'aurais dû m'y prendre avant, mais je pensais que c'était marqué derrière tout ça. Mais non. Enfin bref, tant pis. C'est léger, hein. Non, c'est léger, ouais. Il est pas aussi fort que les autres, tout ça. Après, moi, j'ai mon nez dans mon petit déjeuner, là, donc la vanille, là. Bon, alors, case Kinder. Je l'ouvre avec vous, comme ça, j'y pense, parce que sinon, quand je l'ouvre pas avec vous, bah, je dis, oh, bah, je l'ai pas ouvert. En compte, je l'ouvre 10 000 fois. Bon, forcément, c'est les mêmes. Du coup, comme j'étais pas trop... Il y a beaucoup de trucs comme ça là. Enfin, je sais pas, il n'y a pas que ça. En plus, ça, les boules comme ça, il y a des chocolats et puis au lait et là, la noisette. Donc, ils auraient pu faire un mix des trois déjà. Puis mettre les chocobons au chocolat blanc aussi. Enfin, après, même des petits Bruno là. Je sais que ma mère, elle a acheté une boîte à partager là avec les petits Bruno, les petits morceaux. Bah, ils auraient pu mettre des trucs comme ça. Bon, alors, Marionneau, qu'est-ce qui se cache? J'ai complètement arraché le. La boîte, mon Dieu. C'est un petit parfum. Alors, Karl Paris. Karl Lagerfeld. Oh. 10 millilitres. Alors, voyons. Putain, je vais sentir tous les parfums. Non. Ça va sentir fort, c'est sûr. À défaut. Enfin, pas aussi fort que je pensais. Et c'est une odeur que j'ai déjà sentie. J'ai déjà senti ça. Mais c'est pas un truc fort. Il va falloir que je me mette du spice dans le nez parce que mon frère, il est malade. Il a de la fièvre et je veux pas le récupérer. Mouais. Ça fait déjà le deuxième parfum. Je pense qu'on est pas mal. Et là, c'est de la marque, donc bon, c'est pas mal ça. Ma foi, je suis contente aujourd'hui, pour une fois. Bon, on va faire celui de ma copine, j'allais l'oublier. Oh là 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 là. Et en plus, il est gros. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs trucs dedans. Putain, il est lourd en plus. Non, mais elle a littéralement vidé son. Ah là là, celle-ci.
va falloir que j'aille chercher le ciseau. Je vais essayer d'ouvrir par le haut. J'ai trouvé ce que c'était. C'est lourd cette merde. Je pensais pas que c'était aussi lourd. Je crois que c'est un cale. Un cale-porte, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un cale-porte. Putain, il est lourd, hein. Ils disent pas le poids. 20 cm, merci. Ouais, je sais pas. Voilà. Un petit chat. Par contre, il a foutu son cul, je sais pas où, mais il y a plein de trucs. Du bois ou je sais pas quoi. C'est hier j'avais ça aussi dans mes dans l'écharpe. Enfin le plaid, je sais plus. Les gens ils ont dû poser ça par terre et ça a ramené plein de trucs, je sais pas quoi. Enfin bref. Bon, l'avantage c'est que c'est pas un calepi tout moche, il est trop beau. Non, c'est bien. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais ils ont foutu un poids. Mais il est lourd, hein. Il fait au moins 5 kilos le machin. Non, pas 5 kilos, j'abuse, mais moins 2-3 kilos, quoi. Quoique, c'est pas possible, hein, 5 kilos. Non, 5 kilos, je le porterai pas quand même. Voilà, c'est mon animal de compagnie. Oh. À défaut qu'il fasse les griffes sur ma porte, ben, il la tiendra. Sais pas où je vais le mettre, hein, mais. Sur ma porte de couloir, peut-être quand ça sera l'été. Ça calera la porte. Ou même en déco, hein. Ma foi. C'est une déco lourde. Regardez, je vous ai pas menti. Il fait bien tout blanc. Faudrait que je pense aussi enlever ma moustiquaire. Du coup, ça sort plus rien. Mais voilà, c'est un peu tout blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Les cuticules, mettre de la crème et puis voilà, tranquille. Je suis littéralement maquillée pour un TikTok. Je vous laisse aller voir ça. Enfin, vous allez peut-être pas le voir aujourd'hui parce que j'en ai pas mal à poster avant, mais vous verrez tous les jours, pas enfin, tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend combien j'en, comment j'en ai et comment, enfin si j'y pense à poster ou pas. J'en fais pas mal en avance, comme ça après une fois que ben, je suis pas bien ou que j'ai la flemme, ben il y en a toujours d'avance quoi. J'ai toujours les ongles abîmés quand j'ai enlevé quand j'ai gratté à enlever mon semis. Et faites jamais ça. Ça m'a trop pété les ongles. Lundi je refais du semis parce que j'avais pris rendez-vous. Et pour ma mère aussi, parce que c'est son cadeau de Noël. Comme ça, elle, ça, je lui offre un truc comme ça, ah, c'est bien. Ou un truc beauté, ou bon, ouais, elles s'en foutent la beauté, mais genre les ongles avant Noël, tu sais, c'est bien ça. C'est un joli cadeau. Après, je vais me renseigner aussi, parce qu'elle fait des soins pour le dos et tout.
Donc je vais m'en renseigner si ça peut être pas mal ou pas. Parce qu'elle a trois trucs de soins pour le dos, je crois, avec les pierres, etc. Donc je vais voir ça. Et puis, ah ouais, faut pas que j'oublie mes bons. Genre, quand on a été à l'inauguration, il y avait moins de 10% sur la presta suivante. Ça met encore plus en valeur pour les faire venir les gens et tout. C'est cool. Puis elle m'a donné aussi des trucs pour parrainer les gens. Ça, si tu parraines, t'as moins 10 ou moins 15, je sais plus ce qu'il y a. Enfin, voilà. Je vais aller charger mon téléphone, ça serait pas mal déjà. Parce que là, je suis à 30%. Je devais le charger pendant que je me maquillais et tout. Mais bon, je l'ai pas fait. De toute façon, j'ai été très vite. J'ai un peu bâclé le machin. Faut que je remonte mon chauffage. Parce que comme j'ai ouvert la fenêtre, hop, voilà, je le remets à 17,5. Comme je vais aller me mettre sur l'ordinateur, je vais avoir froid. Et après, je referai des TikTok et tout. J'ai des petits wraps jambon Saint-Mauré. J'en ai fait deux. J'avais pas de salade ni de tomate, du coup, tant pis. Après, j'ai pris des petits biscuits. Et après, petite compote. Voilà. Tout le monde a aimé mes petits gâteaux, en fait. C'était un ravi. C'est bon. Ils sont très très bons en plus. Je referme le wrap discrètement. Voilà, mon petit repas. Je suis littéralement en peignoir. Je vais juste enlever ça. Mettre une chemise. Et je ferai un TikTok comme ça. Et voilà, ni vu ni connu. Et en bas, j'ai ça. Je suis une arnaque. Enfin, que voulez-vous? On fait comme on peut. Hein. Je peux pas avoir chaud et être habillée bien, quoi. Je suis un pilou-pilou. Oh, je vais faire quelques TikTok et puis c'est tout. Hop, TikTok fini. On a remis le peignoir. Je suis en train de. Je vais me démaquiller les lèvres. Que je m'en fous de partout, ça. Hop. C'est pour les yeux, mais c'est pas grave. Ça part bien quand même. J'ai la bouche toute rouge, mais ça va. J'ai encore les lèvres teintées. Et sur ce, je vous laisse une bonne journée, un bon visionnage. Et puis à demain. Peignoir. Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vais aller faire le montage et puis je vous laisse. Je vous fais de gros bisous.